Cette petite fougère fait partie des 17 espèces d'Asplenium de la flore française spontanée. Elle y est assez fréquente et se trouve à peu près partout en Europe, ainsi que dans l'ensemble des autres continents du monde, sous des climats tempérés et dans les montagnes tropicales. Elle est dite cosmopolite. On l'appelle communément en France capillaire des murailles. Elle appartient à la famille des Aspléniacées. Dans la nature, on la rencontre dans les endroits plus ou moins ombragés, souvent dans des falaises et des fissures de rochers, de nature calcaire ou siliceuse, ou plus rarement, directement dans la terre des talus en sous-bois. Grâce à sa grande tolérance écologique et à ses capacités d'adaptation, cette capillaire a pu se glisser jusque dans nos villes, à la faveur de vieux murs et de pierres mal jointoyées. Elle y retrouve des conditions rappelant ses milieux naturels. Elle supporte de courtes périodes de sécheresse, pendant lesquelles ses feuilles se recroquevillent, puis se redéploient à la première averse. Comme toutes les fougères, Asplenium trichomanes ne produit pas de graines, mais des spores. Celles-ci sont produites à la face inférieure des feuilles et contenues dans des sporanges agglutinées en masses brunes que l'on appelle des sores. Ces derniers sont situés le long des nervures et à maturité, les sporanges s'ouvrent pour libérer les spores. Celles-ci, très légères, seront disséminées par le vent, en quête hasardeuse d'endroits propices où elles pourront se développer.